La propriété industrielle permet de protéger juridiquement une innovation, actant son caractère novateur et différenciant sur le marché. Un même produit peut donner lieu à plusieurs titres. Par exemple, le masque de plongée de Decathlon fait l'objet d'une demande de brevet protégeant l'invention technique. Cette demande comprend deux grandes parties. D'abord, la description explicite l'état de la technique et la problématique que l'invention résout. Ici, un rééquilibrage de pression du dispositif masque-tuba. Puis, les revendications définissent la portée de la protection en énonçant les caractéristiques techniques à protéger. Ici, un design plus ergonomique pour respirer simultanément par le nez et la bouche. Une demande de brevet est souvent complétée par un dépôt de dessin ou modèle pour protéger l'apparence de tout ou partie du produit. C'est le cas ici du masque de plongée. La protection peut être complétée par une marque, c'est-à-dire un signe distinctif, pour protéger précisément les produits et services. C'est le cas ici de la marque Subéa.